Comment aider ces pauvres gens qui agonisent, qui attendaient qu'on leur vienne à la rescousse, pendant que les infirmières mouillaient la chemise, que les infirmiers faisaient suer le burnous, pendant qu'ils couraient tous dans la panade, dans les couloirs encombrés de macchabées. Les cherchez pas pour soigner les malades, tous les docteurs étaient à la télé. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés quand redoutait d'être in fine déconfinés. Ils décrétèrent un jour que les vieux de la vieille faut les achever à 70 balais, disant le contraire de ce qu'ils disaient la veille, quand cette grippette les faisait bien marrer. D'un air savant, ils venaient faire des tirades, remplis d'avis et conseils empoulés. Pendant que l'hosto croulait sous les malades, nos braves docteurs étaient à la télé. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés, qu'on redoutait d'être in fine déconfinés. Y avait le raout, celui qui les enquiquine, qui les traitait tous comme des diaphorus. D'après lui, y a guère que sa chloroquine qui pourra foutre les chocottes au virus. La porte-parole, elle s'appelle Cybette. Y'en a qui pensent qu'elle porte bien son nom. On sent bien que la moindre idée qui se pointe lui déclenche un ouragan dans le citron. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés, qu'on redoutait d'être in fine déconfinés. Soir aux infos, y'a le ton du lot de sadique qui compte les morts et puis y'a le défilé des professeurs, des stars, des scientifiques, et puis le rouquin, la merloque, le cinglé. Et en fin de compte, on a su pour les masques qui étaient gérés par une bande de couillons. S'il en restait plus du tout, c'était parce que ils en avaient détruit 600 millions. Ils nous ont enconfinés, puis déconfinés, puis reconfinés, qu'on redoutait d'être in fine déconfinés. Les infirmières qui gagnent des clopinettes, même pas au SMIC, galèrent à tour de bras. On récompense nos courageuses causettes d'applaudissements, de médailles en chocolat. Mes petits marquis, vous devriez avoir honte. La dignité chez vous, elle est en deuil. Pas une seule de vos promesses à la gomme ont un jour consolé leur portefeuille. Vous nous avez confinés, puis déconfinés, puis reconfinés, mais vous vous resterez pour la vie déconfinés.